toi. Mon père vient d'une famille où exprimer ses sentiments, témoigner de l'amour, n'est pas monnaie courante. Alors pendant longtemps, moi, je me suis raconté des choses. Je me disais qu'il était dur avec moi parce qu'il était déçu de ce que j'étais. Il aurait préféré avoir un garçon. Ouais. Est-ce que ça vous dérange? Pendant longtemps, je me suis dit non. Avec un fils. Bah, on il va vous poser des questions. Alors, allez, dites-moi. Alors, vous aimez bien Vous l'avez trouvé comment le... Ah, mais moi je suis son père, donc je suis mal placé. Ah, ouais. Voilà. Ah, ouais. Elle a bien joué alors? Oui, oui, je suis content, heureux. Oui, oui, oui. Non, mais moi je suis pas objectif là-dessus. Oui, oui. Voilà. Merci déjà, c'est pas... Voilà, il vaut mieux que vous demandiez à quelqu'un d'autre. En tout cas, nous on a trouvé que c'était très bien. Ouais, franchement. Est-ce que ça vous a plu le spectacle qu'elle a fait? J'ai adoré, je ne connaissais pas cette comédienne, donc je la découvre ce soir et je l'ai trouvée exceptionnelle. Vous avez aimé tous les personnages qu'elle a fait, etc. Alors justement, je la trouve très talentueuse parce que voilà, il y a de nombreux personnages et avec une énergie différente à chaque fois. Et j'ai été bluffée parce que jouer autant de personnages dans un spectacle, c'est génial. Quel est votre premier ressenti au début du spectacle est-ce que vous avez le plus ressenti au niveau émotion? Eh bien, elle envoie du très très lourd dès le début, en changeant de personnage constamment, une rapidité, une fluidité. Elle change de voix, d'énergie, c'est incroyable comme elle nous embarque dans un rythme. Alors moi j'ai eu la chance de la voir à la première, quand elle a joué la première fois, donc il y a au moins 3-4 ans, même plus, je ne sais pas. Là je la revois, elle a encore pris beaucoup de maturité. Et oui, elle me marque cette pièce, et une très très grande comédie. Ouais. Vocalement, physiquement. Il va être toujours dans un esprit d'expression qui ne nous laisse pas indifférent. On rentre dans la pièce avec elle, donc on a l'impression de connaître ces gens. C'est juste génial. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène ou un personnage en particulier qui vous a plus marqué que d'autres? C'est très émouvant, la mamie. Ouais. La mamie, ça a beaucoup d'émotions. Ouais. Je l'ai connue petite, dans le village d'Astremont, ce qu'elle disait. De voir ce qu'elle fait sur scène, je suis très émue. Ouais. C'est moi qui vais pleurer. Je vais vous poser comme question, vous avez d'autres projets de spectacle? J'ai un spectacle autour des mémoires de la guerre d'Algérie, là, que je vais jouer à Grasse le 27 janvier et à Chaos au Forum Jacques Prévert le 22 mars. Ce qui n'est pas de la guerre. Les mémoires de la guerre d'Algérie, là, qui me tient très très fort. Ouais, à Chaos, c'est ça. Exactement, le 22 mars. Et c'est un spectacle qui m'en parle, parce que je joue beaucoup avec des équipes aussi. Donc, j'ai vraiment besoin de faire. Là, je suis toute seule, mais c'est pas le plus. En tournée, c'est pas le plus rigolo. Ouais. Parce que c'est magnifique, c'est une grande liberté. Mais il manque des copains. Il manque des copains en loge, il manque des copains après. Ouais. Pour avoir des coups et tout ça. C'est une partie du métier, c'est quand même sympa. Normalement, c'est ça parce que j'aime les âmes. Donc, j'aime les partager, c'est une sympa. Que ça passe. Je vous ai parlé de ça plus tard. Oui, t'as bien raison. J'ai demandé, déjà, je vais pas faire comme ça. Je ne verrai pas. C'est clair. Alors, moi, j'avais une question. C'est
Eva ou Elsa? Eva. J'ai pris Elsa pour avoir un petit peu de distance, sinon c'était trop dur. Même ma grand-mère est italienne, mais elle n'a pas l'accent vraiment italien. Ouais. Il fallait, parce que sinon c'est trop dur. C'est incroyable. Ça, c'est le clown. Ça, c'est le clown. C'est parce que j'ai fait du clown, j'ai fait du masque et de la comédia dell'arte. Et du coup, en fait, je pense que du coup, tu changes de voix, tu changes de corps. C'est incroyable. Ah, bah, merci. Tout le monde vous a félicité, on a filmé. Ils ont trop bien, trop bien. Ah, mais je voudrais voir alors ce que les gens disent. Oui. Avec la reine. Alors, ça t'a vraiment rien raconté? Franchement, moi en tout cas, ce que j'essaie, moi, là, pourquoi je suis partie de la Réunion, c'est dans la culture Sioux. La Réunion, c'est la grand-mère. C'est celle qui tisse, c'est celle qui tisse les mondes et c'est le symbole de féminité. Et donc, non, mais du coup, tu vois, c'est ce rapport-là à la Réunion. Et du coup, je vais chez la voisine de ma tante, je me suis fait un coup sur les Sioux. Je vois les Sioux, bam, je tombe sur la Réunion, symbole de grand-mère, de machin, de tout. Et je me suis dit, en fait, ma grand-mère, mais, enfin, et j'avais perdu ma grand-mère, et tout ça, je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, j'en parle au début, et je fais cette petite boucle, en fait, à la fin, où on revient, et où, en fait, au début dans l'histoire, c'est une petite araignée qui est une grand-mère, en fait, de la et du coup, je fais l'araignée de chez moi, et blablabla, mais ça, c'est ce que je me raconte, moi. Après, je te fais de la sauce interne d'un truc, et au final, de ce truc sera raconté, parce que je t'ai rien raconté. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je voulais en savoir plus. J'espère que ça ne t'a pas dérangé. Intéresse, faisons. Ça m'a spécialement dérangé, mais je voulais en plus savoir. J'ai aimé aussi les choix musicaux. Ah, ouais. Merci, ça, c'est ce que j'ai fait en scène. Après, il y a du Björk, en fait, c'est la bande de Björk, et il y a également le Chêne. Non, c'est. Ça va me revenir, c'est un petit réalisateur qui va apprendre, ça me reviendra. Et il y a aussi la bande originale du film, c'est sur les Rolls. Voilà, c'est un des temps avec d'autres choses. J'ai le spectacle de copains dont je te parlais, avec le collectif, et puis après j'ai mon troisième seul en scène que je suis en train d'écrire là. Et puis voilà. Et puis la compagnie avec laquelle je travaille là sur Le Cœur Fume Encore, ça s'appelle le spectacle qui est devant la gare de Jouer. On est en train de préparer un autre spectacle du coup avec eux. Ça s'appelle 1983 et il va être sur la marche pour l'égalité contre le racisme. Enfin, on part de cette chose. Oui, c'est une transition entre la bonne et banlieue, la nature. Tu peux engager en même temps. Oui, moi j'ai une expérience policière et tout, mais les mains dedans, mettre les mains dedans. Une Catherine Sigurade. Mais écoutez, à sa manière, j'essaye. C'est dur. Famille qui est derrière. Vous allez tous là-bas? Bonne continuation. Ok, d'accord. Bonne soirée. Et lâche pas. Oui, je pense déjà des courts-métrages, des trop films. Bien. Trop bien. Et du coup, tu sais que tu as... C'est pas les racks, c'est... Les racks. C'est ça le sujet de réalisation. Oui. C'est dans cette phrase. Il y a pour les cas, il y a des cas. Oui. Très bien. Et de bonnes soirées. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Allez, on va t'attendre. Tais-toi.